79 jours que le prince Gambo Kemayo Maurice est au Lakam situé au quartier Chiala. Les populations et associations du groupement Bangou s'y rendent pour lui faire allégeance avec la pratique des rites traditionnels, tout comme certains chefs traditionnels dont le roi Bamina. Cependant, un autre Lakam existe et est entretenu par certains élus locaux. Un fait qui hérite le roi Bamendjou. On est né chef, on ne fabrique pas les chefs. Et c'est justement à cause de ces chefs fabriqués que j'ai eu aussi à dire que 90% des chefs à l'Ouest sont illégitimes. Et c'est le travail des élites autoproclamées. Et ces élites autoproclamées ont affaibli les chefs et ont associé à eux tous ces chefs illégitimes pour continuer la destruction de notre culture. Je reste contre et je dois combattre jusqu'au jour où je serai mort. En compagnie du roi Bazou, Sa Majesté Sokodjou Jean Rameau vient de porter une pétition signée d'une quarantaine de chefs au gouverneur de l'Ouest à ce sujet. Le chef Bazou, qui est le chef allié de la chefferie de Bangou, a conduit une délégation dont je faisais partie pour aller rencontrer monsieur le gouverneur pour lui donner notre position face à ce problème. Et j'insiste, je continue à insister pour continuer à dire au public de nous aider, ce n'est pas honorable pour la future Bamleke. À l'endroit de l'honorable Dato qui déclare qu'on ne saurait balayer le règne du défunt Marcel Tayo II, Sa Majesté Sokodjou Jean Rameau lui délivre ce message. S'il vous plaît mon fils, honorable, l'intronisation d'un chef n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des initiés. D'où serait venue encore la police dans un lacan? D'où serait venue encore la promotion dans un lacan? Je profite de cette occasion pour vous demander, vraiment s'il vous plaît mon cher fils, d'aller faire partir celui que vous-même vous aviez mis à lacan. Sinon, à l'avenir, sur le plan traditionnel, ça vous coûterait trop cher. De même, le roi des Bamendjou justifie le retour impératif à la lignée. Je vous dis, et je continue à dire que Djomo n'était pas chef. Tayo, son fils, n'était pas chef. C'est Kamayou qui était chef, et c'est son fils qui a droit, suivant la coutume, je suis chef. Avec le concours de mes ancêtres, et je règne avec leur force, avec leur concours, je ne peux pas cautionner l'illégitimité. Je continue à demander aux autorités, aux pouvoirs publics, que pour donner la paix, pour permettre aux populations de Bangou de vivre en paix, qu'on se débarrasse de l'illégitimité, qu'on ne se laisse plus tromper par les tous ces faux politiciens. En rappel, le 28 janvier dernier, la région de l'Ouest assistait à l'inédit avec l'arrestation de deux chefs pour une même chefferie, celle du groupement Bangou. Et depuis lors, les langues se délient pour décrier l'implication des chefs traditionnels dans la chose politique.